Salut à tous, c'est Sky, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur les insectes. Et cette fois-ci, pour la troisième vidéo, on va continuer avec le scorpion noir géant. Qui est quand même assez grand pour sa taille. C'est juste un tout petit peu plus grand que mon doigt. Ouais, donc il est pas si grand que ça en fait. yep, on le met là en attendant. Du coup, le scorpion noir géant, il est fluorescent. Donc dans le noir, avec un petit peu de lumière, on peut le voir comme ça là, fluorescent. Là, il ne montre pas ses organes génitaux. C'est quand même assez bizarre, hein, parce que sur les deux premiers, ils l'ont fait. Attendez, je regarde. Ouais, ils disent pas. Hein? Prosoma. Ouais, non, ils disent pas. Ils montrent pas les organes internes. Donc, si, voilà. Ah oui, d'ailleurs, on a oublié. Corpon noir géant, il vient du Malaisie. De Malaisie. C'est ça, hein? Malaisie, ouais. Parce que moi je suis capable de dire Afrique alors qu'on écrit à, alors que c'était écrit à Japon. Et si on s'en fout. Donc le scorpion noir géant transporte ses œufs sur lui. Enfin ses œufs, c'est ce petit, pardon. Comme on peut mieux le voir ici. Tout ça, c'était tout petit scorpion. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Là, comme tout scorpion, il chope avec ses pinces pour manger sa proie. Ça, c'est logique. Et si je ne sais pas comprendre pourquoi, il nous montre un crabe du cocotier, un autre scorpion noir, une crevette menthe, crabe violent. Violet ici, je sais pas pourquoi ils montent tout sauf un scorpion. Alors lui je l'aime bien cette araignée là, elle est stylée. Enfin si c'est celle que je pense. Hein. Le plus grand scorpion aux pinces impressionnantes ne sont pas leurs plus. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose à dire à ce con. Son nom scientifique, c'est ça. Je recommence. Hétérométrus SP. Il dit qu'il est toxique et non toxique. Je cherchais pas à comprendre pourquoi il dit ça. Dans ma tête, ils sont tous toxiques, hein, mais bon. Il aime les climats chauds, ce con. Comme il est de classe arachnide, hein. Ordre scorpion, famille scorpion D, je sais pas si ça se dit comme ça. Phylum arthropode. Ouais. Pas grand chose à dire sur ce con. Franchement, pas plus de choses que sur l'araignée diable et le scorpion doré. Aussi, les scorpions, c'est les scorpions. Hein. C'est les mêmes, quoi. Du coup, je vais directement tourner la Suisse avec le quatrième insecte, pardon, qui sera le scarabée émeraude. Hein. Tout petit. Franchement, il est tout petit, le scarabée émeraude. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, à tout de suite pour la quatrième partie.